C'est bien dommage. Ça aurait permis d'augmenter sa puissance. C'est évidemment l'homme masqué qui parle devant toi. Alors, moi, du coup, je m'avance, je prends la hallebarde et je donne un petit coup par terre et je lui dis « Il faudrait déjà qu'elle ait assez de puissance pour nous affronter avant de nous défaire. » Vous êtes hors du commun, du coup. Bien. Et là, il se retourne vers ses hommes. Tuez-les. Et il commence à reculer. Voilà. Et là, moi, j'arrive et je lui fais « Ok, qui veut coûter un moindre run ?» Qui veut ? Toon, tu retournes où tu étais, s'il te plaît. Retourne dans ta chambre. Et donc, deux d'entre vous peuvent agir. Sachant qu'en fait, là, les deux qui sont derrière, ce sont des archers. Et là, c'est un lancier pour celui qui est en haut et un épéiste pour celui qui est en bas. Moi, donc il y a épée bouclier, celui que je bouge un peu là, d'accord. Mmh. Celui qui a symbole de chevalier, c'est épée bouclier. Celui qui a symbole guerrier, l'épée, c'est lancier. Et les deux autres derrière, ce sont des archers. Petite question, est-ce qu'on doit, on peut avoir un effet de surprise par rapport à nos compétences? Non. Non. Parce que là, en fait, disons que moi, je suis devant. À la limite, je peux très bien, parce qu'on n'est pas au cac. Oui. Donc forcément, moi, le temps que j'avance, que je donne un coup, etc., je vais me retrouver au cac. Mais loin d'eux. Pas le meilleur des moves, parce que du coup, les mecs, ils peuvent me contourner. Et là, on est dans la merde. Ça dépend qui c'est que tu peux charger. Voilà. Quoi, mais... Maintenant, ce que je proposerais, c'est que moi je passe mon tour et je laisse le tour aux deux personnes, genre Yuri et Akinia. Puisque Akinia peut en taz 1, je pense. Ouais, ah oui, il faut que tu sois au corps à corps. Peut-être que tu peux peut-être envoyer des projectiles et puis Palou sa double flèche. En fait, je pensais que Akinia, moi, tape les deux archers derrière en même temps. Ouais. Oui, voilà, c'est ce que je voulais proposer. Et là, qui tombe pas, je tape la deuxième. C'est ce que je voulais proposer parce que du coup, en fait, comme les deux ils sont au cac, et je vais pouvoir facilement me mettre en milieu et puis les parer de manière à ce qu'ils nous attaquent pas. Par contre, les deux archers, je ne pourrais pas. Même si je suis devant, ils en ont rien à péter, les archers. Ouais. Donc, ce que je voulais proposer en first attack, c'est que les deux DPS à distance, vous les alignez, en fait. C'est pas ce temps. Sachant que derrière, moi et Mister Yuri, vu que Yuri a des pouvoirs, mais il a des dagues, et du coup, est aussi un peu donné au corps à corps, on puisse faire les deux devant, en fait. Oui. Sachant qu'en plus, Aki, elle est blessée, elle a récupéré des points de vie, mais bon, on va pas la remettre au devant de la scène, hein. C'est bon, je pense que t'as pris assez. Elle parle plus, elle a acquiescé de la tête, mais elle parle plus. Mais non, mais oui, je suis d'accord, excuse-moi, je sais que... Et voilà, donc moi, personnellement, après vous faites ce que vous voulez, je laisserai le tour plutôt à Palou et à Aki. Faire le maximum de dégâts sur les archers, puis nous, après, on se fait les deux cacs, là, les deux moisis, là. Aki, je te laisse commencer. Ouais. Honneur aux dames. Alors, que fais-tu, Aki ? Alors, du coup, moi, je vais charger j'aimerais bien charger, en fait, deux boules de... Enfin, deux projectiles, mais que je balance les deux sur un des archers. Ouais, tu vises... c'est deux, mais avec un seul... sur une seule cible. Oui, tu peux. Ouais, sur celui-ci, du coup. Oui, de faire sneaker, okay, ça le fait Twix. Le temps qu'ils font ça, je reviens dessus. Fais ton jet de mental. Il fait la pause pipi là. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Putain. C'est raté. Donc tu concentres ton sort, tu vises bien la personne, mais ça veut pas sortir aujourd'hui. Voilà. Putain, je pars combien de psy du coup? T'es en défensif donc 2. Ouais, je suis en défensif. Désolé, j'ai un coup de téléphone. Vas-y, vas-y. Alors, pour ma part, je vais faire un double tir, du coup, sur le même personnage. Sur celui-là ? Ouais, sur celui-là. Ok. Mauvais jour. Je vais faire, du coup, un dé de mental. Ouais. Tac, tac. Et je tombe à 7 sur 60. Ouais, donc ça passe. Et du coup, c'est 2... c'est 2 D8, du coup. Donc, tu fais deux fois ton attaque de commande... Ouais, je vais faire deux fois. 1, 2, 6. 1, 2, 6, ouais. Oh. Et 1, 2, 3. Sachant qu'ils sont quand même en armure de plaque, hein, donc... Oh putain. Ouais. Ah ouais, effectivement, quoi.
Mais t'as des flèches. Des flèches. Ah, mais c'est des. Ah, attends, des flèches électriques. Non, ce sont des flèches électriques. Enfin, ah, de bah, lumière. Il se prend full dégâts. Bah, en gros, il se prend tous les dégâts et il tombe au sol. Il tombe au sol. Tu l'as eu. Tu l'as eu, celui-là. Bon, un de moins. Nickel. Très bien, c'est à eux d'agir. Ça va être le. Comment ? Ça va être le. Le lancier qui va agir en premier. Mmh. Et qui fonce sur toi, ça. Je m'en doutais. Voilà. Donc, il va faire un. D 200. Il touche. Ok. Je vais parade. Ouais, je vais faire une parade. Ok. Lancer de physique. Du coup. Ouais, dommage. Donc il te touche, il ouais. A une lance, il a une hallebarde comme toi, donc. Moins de. Ouais. Son ! Et moi ! Sauf que. Tu bandes mou du coup ! Pardon ? Je peux pas être raide tout le temps non plus, oh ! Ah ouais, d'accord, bon, ok, d'accord. Bon, il a alors. Pas de dépipé. Et il fait 3, moins ton armure, moins 2, donc il fait 1. Le tank le plus chiant à down du monde. Avec clairement. Et c'est du coup, c'est l'archer qui reste, qui agit en deuxième, et qui va viser Alou. Merde. Oh putain, encore moins. Mais il a des malus parce qu'il y a pas mal de monde devant, quoi. Oui, voilà. Yes. Oh putain, dégâts collates. Je le sens bien, le dégâts collates sur Yui. Raté. Yes. Oh putain. Raté, la flèche se plante au pied de Yuri. Mais voilà. Ça peut passer loin, celle-là. Donc c'est... Du coup, c'est à Son et à Yuri d'agir. Qui agit en premier ? Et du coup, je pense que pour une décision un peu plus stratégique, j'irai tuer le tireur. Alors, moi, personnellement... Mais après que tu aies tapé le je te... Non, en fait, je te laisse agir. Pourquoi ? Parce que je viens de faire une parade... Et j'ai loupé ma parade, du coup je suis en train de me. Je me remets un peu du coup que je viens de prendre, donc je te laisse attaquer. Tu peux agir quand même. Tu peux agir quand ouais, même. Mais je laisse quand même agir au cas où. Voilà. Agir, ouais. Mais ça va pas me gêner s'il y a le personnage non. Devant. Tu peux te décaler un peu et ouais. Faire ta balle ombre sur. Yuri, est-ce que par hasard, c'est juste une strat, hein. Tu taperais pas le magicien qui est en train de se casser. Parce que l'archer il a déjà joué son tour. Ça veut dire que normalement on est censé nous jouer avant lui. Je dis bien censé. Est-ce que tu taperais pas le mage qui est au fond pour essayer plutôt qu'avant qu'il se casse de le blesser ou le tuer qu'il était déjà parti. Donc... Non, non. Et on si le voit le toujours. Si que je peux le taper, je le tape, ça c'est sûr et certain. Il est en train de partir, t'as la distance pour, tu peux. Ok. Bah, l'ombre, du coup, je fais un jet mental. Voilà. Un jet de fromage. Oui. Si bonus, c'est 50 sur 50, c'est bon. Pas de bonus, pas de malus. Allez. Tape-le. 66, je le tape. Yes. Les dégâts mais c'est dégâts max. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il a une barrière et que ça, la balle ombre rebondit sur une barrière qui est autour de lui. D'accord. La barrière le protège contre les attaques magiques, mais est-ce que contre les attaques physiques, ça le protège Je le sais pas. Mais de toute façon, tu es occupé. Si tu te déplaces de ton corps à corps, tu vas te prendre une attaque du lancer. Oui, ça, je m'en doute bien. Ça va être la sauce. Du tout, regarde. Du coup, je vais prendre le tour. Je vais y aller aussi à la hallebarde. Je vais lui montrer comment on utilise une hallebarde. Une hallebarde. Non, pas de bashing. T'as pas droit au chat. Je regarde pas le chat là. Je suis en train de réfléchir sur mon. Et je suppose qu'on me demande de jeter la lance, mais je n'ai pas de truc de jet de lance dans mes compétences. Et si je jette ma lance derrière, à la hache, contre un lancier, je ne sais pas trop le point. Physique, tout oui, court, non, mais... Je vais lancer ma... Je vais faire un jet de hallebarde, je vais le bourrer. J'ai bourré celui qui m'a attaqué, en fait. C'est comme ça qu'on utilise une hallebarde. Hallebardier. Oui. Je vais l'attaquer directement.
Le lancier, je l'attaque à l'albarde. Fais ton jet. Hop, c'est parti. Pas de bonus, pas de bonus. 84. Ouf. Oh. 185. Donc tu es en défensive, donc 1 des 10 de dégâts. Mm. Attention. 3. Oh. 3 de dégâts. Oh. Alors, petit, ça. Okay. Ah, oui. D'accord. T'as tapé son arme. Oui. Tu lui as mis un 360 de marqueur. Oui, oui. T'as armé ton coup. Ça fait paf. Et voilà. En fait, t'as fait comme sur Valo, tu t'as mis une tête, t'as entendu le bruit du casque, mais t'as fait aucun dégât. Ça. Oui, mais au moins, chose qui est bien, c'est que du coup, ma hallebarde, est-ce qu'elle s'est plantée dans son armure? Non. Ah, dommage. Mon marrant, du coup. Bah, en fait, elle se serait plantée dans la hallebarde, plantée dans l'armure. On serait là comme deux mongols, et à la fin, j'aurais dit, oh, fais chier. Je l'aurais fait tournoyer en mode Poupie Beyblade, et je le renvoyais sur son mec à la au bouclier. Alors, du coup, j'ai du coup, c'est le mec au bouclier qui va charger Yuri. Enfin, Yuri. Il a un petit bonus. Ok. Ah, vous avez vu le jet? Oui, 4. Oui, tu as mal, tu as très très mal. Tu as très mal, tu te prends 8 points j'esquive, de dégâts. J'esquive. Non, tu ne peux pas esquiver. Non, c'est une réussite critique, tu peux pas. Tu réussite critique. Oh putain! C'est une réussite. Faut lire léger. Réussite critique, t'es obligé de te les prendre. Moins ton armure quand même. Donc t'as quand même ta tenue de soie qui te projette. Enfin, ta tenue qui te protège de 1, donc c'est 7 que tu te prends. J'ai 2 HP, les bros! Let's go! Ouais, c'est bien ce que je me disais, hein. Mmh. Donc, ça pique. Et le l'encapuchonné masqué là, pchit, magie. Et merde. Il est parti. D'accord. Ok. Ah, pas grave. C'est à vous d'agir. Il y en a deux qui peuvent agir. Yuri, tu commences. Tu tapes devant toi. Cherche pas à comprendre, tu tapes. Ok, bah j'utilise mes coups de dague, hein, ma dague. Et ça fait combien de dégâts ta dague? Un des 4, hein, ça va pas faire grand chose. Hein. Du coup, je vais faire physique ou. Attends. Ta dague fait combien de dégâts? Parce que sinon, utilise Balombre, ça fera plus de dégâts. Je vais utiliser un autre sort aussi. Hein, oui, parce que là, en fait. Oh Yuri. J'utilise ma brume des ténèbres. Ouais, mais attention, ta brume, ça va faire une zone autour de toi. Hein. Mmh. On est juste à côté, hein. Tu comprends le truc? Putain, bah bouclier d'énergie, du coup, ça c'est mieux à faire. Hein. J'ai pas dans notre affaire, j'avais oublié le détail de la brume. Fais ton gène mental. Donc, ok. Et c'est un 1 des 6. Après. Mmh. Bonus, vas-y. Malus? Bah, rien. Quoique, si tu prends 10 de malus parce que t'as pris un jet critique. Donc, je mets juste 10? Ouais. Moins 10. Ah, moins 10. Okay. Bah, malus. Ouais. 34. Okay. Et du coup, 1d6. Et 1d6. N'oublie pas de compter ta psy. 4. Hein. Ta psy moins 1. Oui, je sais. 11 du coup. Et... Voilà. Et 4 du coup. Et 4. Au moins, voilà, ça te permet d'avoir un truc en plus. Bouclier d'énergie. Qui d'autre agit avec Yuri? Moi, je laisserai les limites Aki ou Palou agir pour aller déglinguer l'archer là-bas. Je laisserai Aki moi agir pour essayer de faire les doubles attaques. Ouais, moi je suis beaucoup trop frustrée sur mes échecs en continu depuis tout à l'heure, donc je veux absolument bousiller ce salopard d'archer qui est au bout. Vas-y. Je vais relancer un projectile magique. Vas-y. Donc, mental. Nous, on prend les coups avec Yuri, donc vas-y, après toi. Vas-y. Yes, ça passe. T'as dit un seul projectile. Un seul, ouais. Un seul? Ok, donc ça va faire 7 de dégâts. Ok, il l'a pris, tu l'as vu qu'il l'a pris, mais il est toujours debout. Ok. Tu touches et je reste debout.
Bon, là, va peut-être falloir... Du coup, c'est à l'archer et... comment ? Et à l'albardier qui se bat contre Sun. Donc, l'albardier, il va faire son attaque. Son bonus cette fois-ci. Il rate. Et l'archer, il va faire son attaque. Pour viser toujours Palou. Il touche Palou. Je peux faire mon jet d'esquive puisque je suis en défense ? Oui, oui, tu peux faire un jet d'esquive. Parce que de toute façon, tu le vois qui te vise. Allez. Ok. Ok, d'accord. Raté, non, tu tombes dans les escaliers. Non, ça va, c'est pas une réussite, c'est pas un échec critique. Hein. Il te fait 7 points de dégâts. Oh, moins ton armure. Moins 2, moins 2. Ouais, mais ça fait mal, hein. C'est la je suis midlife. Hein. Oh là là. Ouais, ouais, bon, écoute, c'est pas toi qui est arrivé qui t'es pris un coup, qui t'es pris un moins 7 et qui te retrouve à 2 HP. Hein. Si, il s'est pris moins 7 là aussi. Oui, mais lui, il est mid HP. Moi, j'ai 2 HP. Bon, du coup, c'est à Sun et... Et à moi. Palou d'agir. Sun, tu attaques qui, toi ? Bah moi, je peux rien faire d'autre qu'attaquer l'albardier, il est sur ma gueule, donc si jamais je change de cible, c'est fini. Tu peux attaquer le bouclier aussi, hein. Il est juste à côté. Bah, dans ce cas-là, je vais peut-être lancer une attaque sur le bouclier, ouais. Vas-y, je te laisse attaquer en premier. Bah... Sauve-moi ! Histoire d'avoir de l'allonge. Non. 13. Nickel, c'est bon. Ah bah, pas mal. Oh, feu, des bras. Fais et un là, 10, s'il te plaît. Et là, du coup. One tap player. Ah. Ça fait. Ça fait bing dans l'armure, c'est bien, c'est bien. Ça fait de la musique avec eux, en fait. C'est plus de la musique. Mais ça, en fait, je suis en train de regarder mes mecs, je fais écoutez, j'ai one shot le boss final, faites pas chier, démerdez-vous. C'est clairement ça. Palou, fais ton attaque à distance. Tu peux te déplacer un peu si tu veux aussi. Ouais, je vais me déplacer, mais je suis en train de regarder parce que je ne peux plus utiliser de flèches électriques, de double tir. Bah oui, mais t'as faire quoi avec des flèches ? Ouais, j'ai des flèches normales. Du coup, je vais monter un peu. Ouais, et puis pour le viser mieux, quoi. Ouais, au niveau de l'archer. J'utilise une flèche. T'aurais pu faire un truc cool en mode je cours sur un des piliers, je rebondis et dans mon saut, je tends ma flèche. Ah, ouais, parce qu'on va me demander. On va me demander de la finesse, un jet de finesse, ça ferait un arme de tir. Ouais. Arrête. Déjà que j'ai pas de chance. J'ai fait quoi du coup ? Arme de tir en physique ? Ton arme de tir, ouais. Ok. Tac-tac. 85 sur 85. Voilà, bon, c'est... Du coup, c'est touché, tu peux faire ton jet de dégâts qui est un des 8, du coup. Allez, hop, et je fais 6 de dégâts. Ah, c'est déjà pas mal. Il a mal, il commence à vraiment avoir mal quand même. Hein. Ah ouais ? Je te rendis ton coup, petit con. Petit con. Du coup, il ne reste plus que celui qui est sur Toon. Que j'ai encore miss. Oui. Qui attaque Toon, qui touche Toon. Ouais, oh, qui me met dans le mal. J'avais fait quoi comme jet ? Ah oui, j'avais fait ça. Qui me met en PLS, ouais. Qui te met 8 Je crois que t'es KO là. J'ai mon bouclier d'énergie Ouais, mais ton bouclier d'énergie il est que de 4. Donc ouais, ton 4, bouclier d'énergie 5, que 6. Peut-être 8. Oui, mais ça c'est 8, donc tu prends 2. Non, j'ai 0 HP pile. Voilà, tu tombes KO, mon cher. Yuri. Mon cher Yuri. Et du coup, son invocation, elle disparaît, non ? Ton invocation disparaît. Attends, ne bouge pas. Non, mais arrête ! Je touche plus à rien, là. Tu m'as dit arrête, je touche plus à rien. Mais Yuri, c'est vrai que t'aurais peut-être pu utiliser ton invocation pour essayer de distraire, te le lancer, enfin le bouclier. T'inquiète pas, je te mets le petit symbole là, voilà. Donc vous avez vu Yuri tomber. Voilà. Faut dire aussi que vous enchaînez quand même pas mal les combats là. Hein. Oui, oui. C'est à deux personnes entre vous trois qui a d'agir. Il va taper l'archer qui est au fond.
Aki Palou à la limite, ouais. Mais de, les deux distances, allez-y. J'ai de quoi encore encaisser, donc. J'aimerais bien, étant donné qu'on a un KO, j'aimerais bien cast mon miroir. Donc pour renvoyer les éventuels projectiles, parce que je fais apparemment pas suffisamment de dégâts. Mais donc, il est prêt. Il a mal celui du fond. Il a celui, très mal. Celui du fond, tu peux peut-être le finir. Tu peux faire ton jet de mental. À qui? C'est réussi. Tu as un miroir. Attends, je vais essayer de trouver. Not bad. Ouais, tu as un miroir. Ok. Tu retireras ce symbole quand tu. Tu te prendras une flèche. C'est-à-dire au prochain tour. qui c'est qui... Donc Palou, du coup, ensuite. Oui, Palou. J'utilise une flèche sur l'archer au fond, moi. Ok, vas-y. Alors, du coup, c'est... un physique, on a dit, arme de tir. Hein. Arme de tir, ouais. 55 sur 85. Touche, ton jet de dégâts.